Salut à tous les amis et bienvenue pour ce live spécial non métallique pour pas changer et un peu spécial ArenaBots aussi puisque c'est une figurine sortie pour ArenaBots qui est à l'honneur, à savoir l'Ada Coma. Alors déjà un petit big up à tout le monde, toutes les personnes qui sont là dans le chat. Donc un big up à Dust Angelus, à Jonathan, à Cyril, Brosso, à Ben, à Ward, à Stéphane, à Julien Kemener, bisous Julien. Et Polosurus, Guillaume Fustaillon, bonsoir la compagnie, à Julie Happy, gros bisous Julie. Je sais que tu voulais être avec moi ce soir, mais repose-toi, t'as beaucoup à faire. Il y a Jimmy Gay, salut Jimmy, Dojo du Pitou, Monsieur Barbouze, aloha, Skirel Fisher TV, Julien Q. Salut à tous, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Salut, ni vu ni connu. Et bienvenue pour ce live sur la peinture. Alors, pendant ce live, il ne faudra pas hésiter à poser des questions sur la peinture, à savoir ben, comment, si vous avez des questions sur le nom métallique. Au début, on va commencer assez basique, vous vous en doutez, puisqu'on va commencer par ce qu'il y a de plus, entre guillemets, simple sur le nom métallique, à savoir le nom métallique métal gris. Alors c'est pas simple dans le sens où ça se fait les doigts dans le nez, c'est simple dans le sens où, salut David, dans le sens où ben, au final on va créer en fait des transitions, des fondus beaucoup plus simplement. Ah oui, il y a King Kawed qui dit que tu trouves que la figurine ressemble à mort à Den. C'est normal, en fait, quand on a commencé à créer l'univers des Den, ça a été une des références, ça a été Gunnum. Donc forcément, il y a des choses qui se font des rappels et qui sont des gros clins d'œil. Il y en a beaucoup dans Eden. Il faut savoir que c'est un univers qu'on a construit à partir de toutes nos inspirations qui sont diverses et variées et de qu'on a un peu tous. Salut Eidolon Lolo, salut Christophe. Alors Christophe qui demande des nouvelles de l'art de la miniature. Il y a une vidéo sur mon YouTube qui a été postée et qui vous fait un état des lieux. Depuis ça a avancé, on est sur la fin. Avant les Utopias de la semaine dernière, j'ai fourni les derniers éléments. Donc là, on intègre l'ISBN, tous les éléments. Et puis, ben, normalement, ça devrait pas trop tarder à partir à l'impression. Donc, vous aurez de façon des news sur Ulule. Checkez sur votre Ulule régulièrement. Il y a des news qui sont faites. Les gens ont dû, parfois, en fait, j'ai beaucoup de retours, sachant qu'on a fait des news assez régulières. Mais n'hésitez pas à aller lire les news sur Ulule. Elles sont accessibles qu'aux contributeurs, mais par contre, normalement, vous avez des news directement sur Ulule en tant que contributeur. Donc, voilà. Je vais commencer la peinture de cette petite figurine. Donc, pour la lame, pour commencer, en fait, on va dissocier les deux surfaces. En fait, on va à chaque fois tenir compte du fait qu'on va pousser, donc ici, par exemple, l'ombre, qui va être sur ce tranchant de la lame. Et si on met de l'ombre ici, on ira mettre de l'ombre aussi ici, à l'opposé. Donc, après, à nous de choisir où est-ce qu'on veut pousser notre ombre. Quoi qu'il en soit, si on pousse d'un côté, de l'autre côté, on aura aussi de l'ombre. Ça va un peu se répondre. On peut très bien inverser, c'est-à-dire mettre l'ombre ici, auquel cas on aura de la lumière là, et de la lumière là. Enfin bref, vous avez compris, j'espère. Si vous n'avez pas compris, de toute façon, ce n'est pas grave, parce que je vais le montrer. Et du coup, normalement, ce sera plus simple. C'est le gros intérêt des vidéos, de toute façon. Ici, sur le setup, vous avez une zone qui va vous permettre de vous rendre compte, entre autres choses, de la dilution. Donc là, je ne vais pas le bouger, mais typiquement là, je secoue bien mon pinceau, toujours. Je l'essuie légèrement pour qu'il y ait toujours un petit peu d'eau dans mon réservoir. Et je vais venir sur le côté de la peinture pour doser finalement ma dilution. Je ne travaille pas en palette humide parce que je trouve que ça fausse la dilution. Parce que forcément, ça dilue en permanence la peinture à l'endroit où elle est. Donc forcément, ça dilue un peu la peinture et ça du coup fausse la dilution. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça comme ça. Je vais décider de façon assez basique de tirer l'ombre par ici. Ok. Dans ce cas-là, je vais limite poser mon noir de façon un peu brute. Et ensuite, une fois un peu humidifié, je vais pousser ma peinture pour faire un dégradé. Donc, il y a Romain qui est encore là ce soir. Ça va, Romain, du coup, tu t'en sors? Ouais, nickel. Super.
Et du coup, tu es prêt pour ce week-end? Je suis prêt pour ce week-end. D'accord. Donc vous voyez, en fait, je vais vraiment traiter ça comme si c'était de la peinture un peu de l'aquarelle. Je vais vraiment pas hésiter à pousser ma peinture. Là, vous voyez, ma peinture, elle est un peu trop diluée. Du coup, elle a tendance à faire des petits effets bizarres. Ce que je fais, c'est que je décharge encore un peu et je vais revenir ici parce qu'il y a encore une légère trace. Donc là, je vais revenir encore un peu plus en retrait pour vraiment pousser ma peinture pour essayer d'éviter que la peinture sèche en l'état. Et enfin, je vais venir pour finir un peu. J'ai un peu trop chargé ma. Comment ça s'appelle? J'ai un peu trop chargé ma sous-couche. Et du coup, elle est un peu granuleuse. Mais c'est pas grave, ça permet à la peinture d'accrocher. Donc, quand ça arrive, n'hésitez pas de temps en temps à mettre un petit coup de brosse à dents. Ça aide énormément à enlever toutes les aspérités qui sont de trop. Donc là, je continue tranquillement et hop, je vais continuer à pousser ma pintouille. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, comme ça, je vais essayer d'affiner mon dégradé et de booster mes contrastes. Donc là, j'y suis allé directement au noir pour que ce soit plus flagrant à l'écran. Mais évidemment, vous pouvez passer par une petite étape de gris, par exemple, qui vous permettra d'avoir des dégradés forcément un peu plus simples à faire, puisque vous aurez une zone de transition plus facile, ce sera quand même plus facile d'accès. Mais c'est vrai que pour l'explication, je trouve que montrer directement avec du noir, ça aide quand même pas mal à comprendre le principe plus facilement, je dirais. Bonsoir Rachel Adeline. Et alors, on n'attend pas Patrick. Patrick, il va falloir que tu m'expliques ta blague, Rachel Adeline, parce que... Et alors, on n'attend pas Patrick, je ne sais C'est pas. Camping, le film. Ah bon? D'accord. Donc, il y a Christophe Lagarde qui dit « J'adore te regarder peindre, mais après, je déprime quand je vois mon niveau. » Alors, t'inquiète pas, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est de peindre. C'est-à-dire que peu importe le niveau que tu as, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, et sans même t'en rendre compte, plus tu vas peindre, plus tu vas progresser. Et j'en suis un exemple type, parce que bah, du coup, moi, je peignais à la base essentiellement pour le jeu, et c'est vrai que j'ai progressé vraiment au fur et à mesure. Je reviens avec de l'ivoire. Bon, évidemment, je suis un peu loin de la caméra, donc c'est toujours un peu difficile de bien viser, mais au moins, vous voyez tout petit à petit le non métallique se monter. Et en gros, vous voyez, je ne vais pas hésiter à vraiment pousser, donc à l'opposé de mon noir, mes zones de blanc. Un point extrêmement important pour avoir un beau non métallique qui claque sa mère, ça va être de ne pas hésiter à rehausser toutes les arêtes au blanc. Ça va vraiment faire une différence phénoménale et ça va être vraiment quelque chose de crucial. Donc on vient avec le flanc du pinceau et on rehausse au blanc. Alors, c'est sûr que quand je montre, ça a l'air de se faire assez facilement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que moi, je fais ça fait un sacré paquet d'années, en fait. Et du coup, là, pour vous montrer, c'est vrai que c'est toujours plus facile quand ça va vite. Du coup, je montre ça un peu vite. Mais voilà, chez vous, de votre côté, prenez le temps de faire les choses tranquillement, mais sûrement. Et osez la couleur, osez aller dans des contrastes très marqués, parce que c'est ce qui fait le non métallique. Et je trouve que du coup, le non métallique, c'est quand même une super méthode pour finalement ben, oser aller dans les contrastes très forts et tout ça. C'est très important. Il y a toujours Romain hein, à côté. Je pense qu'il veut pas nous quitter. Hein, c'est ça, Romain. Non, j'essaye d'emballer en faisant le moins de bruit possible, du coup je prends du temps quoi. Non, te stresse pas, hein, Romain. Si tu dois emballer, emballe, hein, pas de. Non, mais t'inquiète, j'emballe tout ce qui bouge, moi. Le mec, il a un bal sec. Donc voilà. Alors ça va être une base à peu près correcte de non métal métallique. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous le voyez. Donc il y a le niveau inconnu qui dit, je sais pas vous, mais moi je suis impatient de pouvoir jouer à ArenaBot. Arena Boops. Ok. Niveau de blague de ouf ce soir. Alors ArenaBot, bah, du coup, ArenaBot va arriver. Donc on se prend un an pour livrer. Donc faut pas être impatient. Et bah, du coup, on a un peu élargi la team, bah, dont Romain, qui nous rejoint aussi pour faire en sorte.
qu'on soit dans les clous. Et c'est vrai qu'on a du coup pris la peine de s'imposer un planning beaucoup plus juste, beaucoup plus large, pour faire en sorte que tout roule. Donc pour info, ni vous ni connu, parle d'un Kickstarter qui est en cours, qui s'appelle Arena Bots, et qui est lancé par Happy Games Factory. Voilà, tout simplement. Donc je pousse tranquillement ma couleur. Il faut savoir que en gros, le plus important là-dedans, c'est vraiment que petit à petit, vous voyez, j'ai de moins en moins de peinture sur mon pinceau. C'est très important. Il faut comprendre que au début, j'hésite pas à rusher comme un cochon, et ensuite, au fur et à mesure, vraiment, on va affiner petit à petit et avoir de moins en moins de peinture. Il faut essayer de faire ça et pas l'inverse. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de jeunes hommes, j'en voyais encore ce week-end aux Utopiales, qui essayent d'avoir tout de suite quelque chose de très propre. Et en fait, il est très difficile d'avoir quelque chose de très propre et en même temps de très contrasté. Donc, le mieux, dans ces cas-là, c'est tout d'abord d'essayer de viser du contraste et ensuite de la propreté. C'est beaucoup plus simple dans ce sens-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des pâtés, hein. Mais ça aide forcément énormément d'y aller vraiment au fur et à mesure. Hop là. Donc là, je marque un peu les creux qui étaient présents sur la lame. Comme je disais, c'est vraiment pas évident quand on est un peu loin, mais petit à petit, comme ça, on crée un dégradé qu'on va essayer d'avoir de plus en plus clean. Donc ça, c'était vraiment pour le non-métallique métal un peu, on va dire, classique. On peut, en fait, après doser... si on veut qu'un non métallique métal gris plutôt sombre, plutôt clair, ça va finalement énormément dépendre de la proportion de gris neutre qu'on a, de la proportion de blanc que l'on a. Là, je suis parti sur quelque chose d'assez équilibré. C'est-à-dire que je vais avoir un tiers de zone à peu près blanche, un tiers de zone à peu près grise, et ça va être pareil des deux côtés de la lame. Donc vous voyez là, en l'espace de quelques minutes déjà, on réussit à avoir un résultat qui n'est pas trop déconnant sur juste un côté de la lame. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en fait bosser en parallèle de ça sur d'autres zones. En fait, l'intérêt de bosser sur d'autres zones, c'est que déjà ça va laisser autant à la peinture de sécher. Et en plus, le fait de traiter d'autres zones, ça me permettra de revenir sur l'autre côté de la lame si jamais il y a des questions sur le non-métallique gris. Du coup, je vais passer sur du non métallique. On va partir peut-être sur du doré, je dirais. Du doré, ça peut être bien. Le doré, en fait, je vais me faire une base de noir. Alors, pour info, j'avais fait un live sur French Wargame Studio. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais ça commence à dater. Où je montrais un peu sur un... Je ne sais plus quel méca. Je crois que c'était un chevalier... Je ne me rappelle plus. Je montrais comment faire un doré. Et en fait, je partais directement d'une sous-couche noire parce que c'est vrai que ça s'y prête pas mal. Parce que quand on va ajouter du jaune au noir, ça va avoir tendance à tirer un petit peu vers le vert. Et en gros, ça va faire des nuances assez sympas pour avoir un non métallique doré qui claque le cul. Sachant que on va aussi traiter un peu de bronze au passage. Et pour ça, je vais baser avec un espèce de marron rouge. Les genouillères, par exemple. Il fait une chaleur de dingue à l'atelier en ce moment, alors qu'on se gèle dehors. Donc, c'est vraiment à se demander comment se fait-ce. Hop là. Donc là, vraiment, je prends le temps de baser au noir. Ça fait pas partie des tâches les plus sexy de baser. C'est très important d'avoir une base bien uniforme. Voilà, après le noir c'est super couvrant, donc c'est pas très épais. C'est pas ce qu'il y a de plus chiant. Et voilà. Donc voilà pour le noir. J'aurais pu un peu m'étaler par là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je reviendrai au fur et à mesure. Je vais aussi baser. Hop. Ah oui, c'est les custodes, Cyril Brosseau, merci. Bien vu l'aveugle. Donc là, je vais revenir avec un peu de cuir rouge, mais en fait, n'importe quel. Encore une fois, je donne des indications de couleur, c'est vraiment plus pour la forme, parce que dans le fond, comment dire, le tout c'est d'avoir une teinte approchante. C'est toujours pareil en fait, plus on avance en peinture, plus on se rend compte que les références et tout ça sont là pour finalement permettre à chacun de s'y retrouver.
Mais en fait, vous pouvez très facilement finalement utiliser des teintes très approchantes. Il suffit qu'à l'œil ça vous parle et que vous ne soyez pas daltonien. Après, je pense qu'on est tous. On a tendance à avoir tous un peu. On a tous des yeux différents, donc je pense qu'on voit tous un peu les couleurs de façon légèrement différente. Je sais pas d'ailleurs, ouais. Je pense qu'on a tous fait cette partie optique-là en cours de SVT. Mais je me demande si effectivement les couleurs sont vraiment perçues de la même manière pour tous ou pas parfois. Donc là, je base ça, cette zone-là me servira de référent en termes de cuivre. Alors, sèche de l'éther, salut à toi, Alain Dill, sur un custodes, merci. Guillaume Fustaillon, c'était sur le dos d'un custodes. Eh oui, eh oui. Quoi d'autre? Ben Illustrator, j'ai jamais fait SVT. Aldo, ça va durer combien de temps? Parce que là, tu la finis jamais ta figue. Ben, le but, c'est pas de finir la figurine, encore une fois. Donc, j'ai montré un nom métallique sur cette lame. Ça m'a pris je sais pas, je dirais 20-30 minutes. 20, ouais, une vingtaine de minutes. Là, je vais montrer un peu le doré et ensuite le bronze. Après, je vais continuer avec vous tranquillement. Le but, il n'est pas nécessairement de finir. Il est plutôt d'avoir une base de travail saine pour pouvoir derrière continuer, travailler ça chez vous si vous avez envie et tout ça. C'est vrai que peindre un gobelin et tout ça, ça peut se faire assez vite. Peindre toute la figurine, ouais, ça risque d'être un peu trop long. Alors là, je vais partir sur cette zone en doré. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit franchement super pertinent, mais on va tester. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on verra si ça le fait ou pas. Donc là, je vais tout de suite venir au jaune. Hein. Je ne vais pas me prendre la tête de 200 ans. Le jaune, hein, comme vous le savez, c'est pas très couvrant. Je vous apprends rien. Donc, je vais y aller mollo avec des filtres au fur et à mesure. Alors, cette figurine, pour information, c'est une figurine que j'ai en avant-première qui vient du jeu, du coup, Arena Bots, qui est en ce moment sur Kickstarter, qui est un jeu sur Kickstarter lancé par Happy Games Factory. Donc, je bosse pour Happy Games Factory et j'en suis même l'instigateur de cette société. Et on est toute une équipe, donc Romain, Julie, Johan, évidemment, le beau Johan, a bossé sur des projets de jeux de figurines comme ça, bah, dont Eden, entre autres choses, pour ceux qui connaissent. Enfin, j'en chie des bulles ce soir. Attendez, j'arrive. Je vais lever le siège, parce que j'ai vraiment pas une position facile. Je vais mettre ça comme ça. La position, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'en fait, d'habitude, quand je peins derrière. C'est-à-dire que je suis installé sur mes bureaux de peinture. Là, c'est mon bureau où, en fait, j'ai mon poste de travail. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal en termes de position. C'est vrai que ça a tendance à m'éclater le dos. Mais la plupart du temps, comme c'est qu'une petite heure et tout, ça passe crème. Hop là. Donc là, vous voyez, j'attaque direct par les arêtes. C'est encore plus simple comme ça. Donc, cette figurine, en fait, la Dacoma, c'est un add-on parmi la campagne Kickstarter Arena Bots. Add-on, en fait, qui va permettre de jouer à un joueur contre plusieurs, en gros, en mode Overlord. Donc, le mode Overlord, en gros, ça va être voilà, celui qui va contrôler la Dacoma va essayer de pourrir tous les autres joueurs, qui vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent, parce que la bête est une brutasse. Donc cette figurine va être sur un grand socle, évidemment, parce que comme vous pouvez le voir, elle est massive. Donc là, hop, je vais rehausser un petit peu tous les petits tubes. Donc cette figurine a été sculptée par Victor Aguilar, c'est un sculpteur 3D, et c'est aussi, en fait, ArenaBot, c'est aussi une méthode pour Happy Games Factory, hein, de finalement un peu parfois resculpter certaines de ces pièces un peu référentes. Cette pièce-là, elle existait déjà auparavant. Elle a été peinte un certain nombre de fois, mais elle n'était pas du tout sur ce design-là. La pièce était beaucoup plus massive et faite un peu de brick et de broc. Du coup, ça nous permet de rafraîchir aussi la gamme au fur et à mesure de son développement. Hop là. Donc, vous voyez, petit à petit,
le doré juste à base de jaune qu'on vient petit à petit ajouter sur le noir pour commencer à créer des dégradés de plus en plus doux et subtils. Là, c'est bon, subtil. Là, c'est quand même assez brut de décoffrage. Hein. J'ai pas choisi la zone la plus bandante pour travailler le non métallique doré, mais c'est pas grave. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'essayer d'avoir au fur et à mesure des passages une couleur de plus en plus opaque, donc de plus en plus intense. Et hey, salut Ivy, ça fait plaisir. Salut Jack, tu filmes avec quoi comme caméra? Alors, je filme avec une Logitech HD 1080p. C'est un classique. C'est Guillaume... c'est Guillaume Berger qui m'a conseillé là-dessus. Et franchement, je le remercie encore. C'est vrai que c'est des putains de références parce qu'au final, ces caméras sont super pour filmer de près comme de loin. Après, bon, il y a toujours mieux. Ivy, quand je suis passé à ton atelier, mine de rien, je me suis régalé parce que vraiment, ta caméra HD, elle est géniale. Après, c'est vrai qu'en termes d'install... Hey, ben voilà, Julie nous rejoint. C'est cool, Julie, ça va? Oui, ça va, et finalement, tu t'es dit, j'y vais. Allez, hop, je prends mon courage à deux mains. Parce que, bon, pour vous dire un petit peu dans le détail, on avait pris une pause. On était rentré se poser à notre maison, à notre petit chez nous, pour manger un bout juste avant le live. Et j'avais laissé Julie... J'avais laissé Julie, en fait, tranquille dans le canapé en partant parce qu'elle commençait à se demander si elle allait trouver le courage. Mais ma chérie, elle a toujours un maximum de courage. N'est-ce pas, chérie? Non, mais en plus, je me suis dit que je peux finir mon petit pilote. Bien sûr, bien mais sûr. Rouge. Mais bien sûr. Alors, si ça. Vous voulez voir, en fait, j'ai partagé justement la rouge de... La rouge. La pilote d'Arena Bots de Julie, qui s'appelle donc... dont le nom est rouge. Et voilà. Donc, je l'ai partagé sur mon Facebook perso, je crois. Donc, voilà pour le nom métallique doré. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Après, maintenant, on va revenir quand même... sur le nom métallique doré pour un peu doser tout ça, pour faire quelque chose de plus doux. Donc il y a Snowgrid, Plop Serge, Plop Eevee. Ça fait plaisir. En tout cas, salut à tous, bienvenue d'être là. Installez-vous, sortez vos pinceaux. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos petites questions. Si vous avez des questions que je peux traiter, j'essaierai de le faire. Moi j'ai rushé à mort là, pour le CDA de Eevee justement. Pour avoir une petite bande orque fin prête. Ça n'a pas été de tourpeau, mais ça va, je crois que j'en vois le bout. Donc là, ce que je fais, c'est que je me suis mis un peu de marron rouge dans mon pot dégueulasse, que je vais ombrer un petit peu pour avoir quelque chose d'encore un peu plus sombre au noir, pour faire quelques légères transitions, pour avoir un rouge un petit peu chaud, en fait. Hop, donc là, hop, ça me permet de faire un peu mes transitions. La méthode, encore une fois, est à peu de choses près la même que finalement sur le Custodes peint en live sur la chaîne de Ivy. Sachant que j'avais fait aussi une vidéo de peinture du Custodes. J'avais fini de la peindre, je crois, sur ma chaîne avant de la remettre au beau et au magnifique Ivy. Je crois. Je crois, mais j'ai un vieux doute. Donc Ivy, tu confirmeras si tu es toujours dans les parages. Voili, voilou, quoi de beau, quoi de neuf? Ben rien de plus, ça avance tranquillement. Alors, quoi d'autre? Il y a Julien qui te fait un bisou. Il y a Snorty, salut à toi. Tout le monde te fait un bisou, Julie. Ah, ça fait plaisir. Et oui, Arnaud, je travaille pas avec une palette humide parce que franchement, je galère trop à la palette humide. Ah, il y a Romain, il est toujours là, le mec. Et je vous avais dit, Romain, il veut pas nous laisser. La prochaine fois, je peindrai avec vous. Ah, ça fait plaisir. Et Romain, du coup, tu nous prépares un live sur Happy Games la semaine prochaine ou quoi? Jeudi prochain? Allez. Bon, ben voilà. Petit live sur Happy Games Factory la semaine prochaine. À voir si on parlera jeu, si on parlera Arena Bots. Je pense, mais quoi? Est-ce que ce sera une partie? Est-ce que ce sera de la peinture? On verra. Ce sera un peu à chacun de décider. Ça peut être assez sympa. Donc voilà. Donc pour info, j'ai rajouté un petit peu d'ivoire dans mon jaune, juste pour pousser encore un chouïa plus mes lumières. Et voilà.
Tu dis, donc il y a Nivini Connu qui dit à quand une licorne pour Eden. Je dirais qu'on est en plein dedans, quoi, presque, tu vois. Je viens qu'il m'énerve, on a fait une pas mal. Hein. C'est pas pour Eden, c'est pour Gnome et Associé. Oui, elle était bien trash quand même. Ouais, c'est vrai que Julien nous a fait une superbe licorne qui vomit. Donc c'était une licorne de Gnome Associé qui est un jeu familial en fait hein. On essaye aussi de développer des jeux comme ça, comme ArenaBots, où en fait on va pouvoir aussi toucher un public un peu plus large, parce que pour emboucaner de plus en plus de joueurs au jeu de Gurin, parce que ça fait plaisir. Donc voilà pour le doré. Alors le doré, évidemment, là sur la surface c'est assez délicat. Mais comme vous voyez, je peux très bien revenir après avec des filtres hein, de jaune pour marquer plus ou moins, pour avoir un doré plus ou moins, on va dire, rutilant, quoi. Ça fait bizarre d'avoir un peu de doré, un peu de bronze sur la pièce, mais ça peut permettre d'avoir une meilleure lecture qu'une pièce tout en non métallique. Même si évidemment, des pièces tout en non métallique d'une seule couleur, ça peut grave claquer aussi. C'est toujours un peu... c'est toujours un peu délicat. Ensuite, il y a les dingues de jeu qui sont présents. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Il y a Guldur. Il y a Guldur qui dit qu'il y avait une licorne dans l'Eden. Alors, c'est pas une licorne tout à fait. Alors voilà, on va tester un truc. Je sais pas s'il nous en reste, mais on va faire un petit truc rigolo. C'est que le premier qui me sort le nom de la fameuse licorne dans l'Eden, celle dont parle Guldur, du coup, on va lui offrir la figurine. On va essayer de voir s'il nous en reste une à lui offrir. Donc voilà. Enfin, je lui offre en tant que monde art, évidemment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le nom, le premier qui sort... Tu l'as fait pas cher, non. C'est gentil. Rappelle-nous ce que t'es en train de faire, bro. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. C'est du coup le Lada Coma d'ArenaBots. ArenaBots qui est en cours de Kickstarter sur la plateforme Kickstarter. Hein. ArenaBots, en fait, c'est un jeu qui met en scène des pilotes de la résistance, des enfants, qui s'entraînent dans une arène à qui contrôle le mieux ces robots. Du coup, en fait, vous avez trois façons de gagner les points de victoire. Et ces trois façons sont le fait de hacker les robots adverses, hacker les terminaux et détruire les robots adverses, sachant qu'on ne peut pas détruire de terminaux. Vous pouvez aussi gagner en tuant le pilote adverse, enfin, on ne va pas dire tuer parce que c'est des enfants, en mettant hors service des pilotes adverses. Et voilà. Si des add-ons vous intéressent, par exemple ceux qui sont intéressés uniquement par cette pièce, il faut savoir que vous pouvez toujours pledger à hauteur du montant de l'add-on pour avoir... uniquement potentiellement cette pièce-là. Il suffit de mettre le montant vraiment de l'add-on dans le... Alors attention, par contre, Kickstarter, ce n'est pas une boutique, c'est-à-dire que c'est du financement participatif. Ça implique qu'en gros, vous plaidiez pour finalement un jeu en devenir. Toute la méca est posée, beaucoup des pièces sont avancées, mais tout n'est pas fini. Parce qu'en fait, on a besoin des fonds de Kickstarter pour lancer la production. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'en fait, les livraisons ont lieu. Du coup, là, la livraison d'ArenaBots est prévue en novembre de l'année prochaine. Donc voilà, ça vous donne une idée du temps de développement que ça nous prend, ces petites cochonneries. Parce que pour amuser les gens, hein, pour faire des jeux, il faut bosser. C'est vrai que là, jusqu'à présent, on était carrément sous-effectif, donc ça nous a porté un peu préjudice en tant que société avec Happy Games. Mais on a tenu compte de tout ça, il y a du monde qui nous a rejoint. N'est-ce pas, Romain? Ouais. Tu sues, hein? On te fait suer, hein? D'ailleurs, je rentre me coucher, ouais, 2-3 heures et je reviens vers minuit. Ouais, bien sûr, à tout à l'heure, du coup. Tu sais, genre... oui, on se voit... De toute façon, je t'appelle demain, quoi. Ouais, ouais, on se tient au jus, voilà. On te revient. Bisous, mon grand. Tu vois quand, Morgan? Demain. Ah fais-lui un bisou aussi alors. Ok. Vous voyez où? Il pourra jamais partir. Non, mais vite fait, rien que... réduction de Nike. Ah, cool. Vous allez vers où, du coup? C'est vers où? Dans le coin, je sais pas. Il m'a demandé de leur amener dans le coin. Ah, préviens-nous alors, parce que nous, on est là toute la journée, donc on peut y aller ensemble. Ouais, vous irez avec Morgan et Laura. Je lui aurai un petit message. Ouais, carrément, tiens. Bon, bisous, mon grand. Allez, bonne soirée, tout le monde.
Et voilà, Romain nous laisse. On va pouvoir jouer au con maintenant. Non. Parce que quand le chat n'est pas là, les souris posent des petites crottes dans les coins. Tu vois. Donc là, je passe un peu de noir un peu partout, juste pour écraser un petit peu tous les trucs qui me gênent un peu. Hein. Je me fais un peu de la place finalement. La pièce est très agréable à peindre. Encore une fois, une magnifique sculpture de notre ami Victor Aguilar, qui est un sculpteur de talent. Quoi. C'est vraiment un petit génie, celui-là. Quoi. Il est vraiment très fort. Il est assez juste. Voilà, quoi. Puis en plus, il est super pro. C'est un régal de bosser avec lui. Hop, 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 hop. Donc voilà. Voilà, voilou. Donc voilà pour le doré. Maintenant, on va gentiment passer un petit peu au cuivre. Et puis ensuite, on reviendra, si vous voulez, au métallique classique, pour ceux qui ne l'ont pas vu en début de vidéo. Conseil de regardure du week-end, les It's Alive de Grégoric, un must digne de Warhammer Studio. Ben, Grégoric qui fait des trucs de dingue, je trouve que le truc de... Alors, le nom du doré, c'est un jaune d'or, tout simplement, comme quoi. Hein. Grégoric, avec du pain et des jeux, ils font des trucs de ouf, et je trouve ça juste génial. Et depuis qu'ils font ça, j'essaye de suivre. C'est pas simple parce que c'est vrai que moi, au final, j'ai tendance à bosser le week-end. Donc le lundi, je suis un peu stone. Ouais, il revient. T'es revenu. Ah, on te manquait trop, à vous. Donc là, je viens avec du marron rouge pour les ombres, tout simplement. Donc le même marron rouge hein, que j'avais utilisé précédemment. Et en gros, ça va me permettre, encore une fois, de marquer encore un chouïa plus hop, mes ombres, tout simplement. Donc voilà, hop. Quoi d'autre ? Donc je disais, Grégoric avec du pain et des jeux, vraiment, ils font des trucs, mais juste mortels, avec Kenny et tout ça. Je les remercie encore parce qu'ils nous ont accueillis avec Julie. C'était quand déjà ? On y va régulièrement, mais c'était quand ? Pour leur live, là. Les pauvres petits, on leur avait un peu pourri leur live en plus. Ils nous ont accueillis, mais magnifiquement, ils étaient adorables et c'était vraiment trop cool. Donc on les remercie encore pour leur accueil parce que voilà, ils sont adorables et ils font tellement vivre la communauté, ça fait plaisir. Un gros big up évidemment au dingue de jeu, à Pierre, je l'embrasse fort, à Evie évidemment qui fait vivre aussi de façon ouf. La communauté, ça fait plaisir parce que du coup, depuis que, mine de rien, Evie a commencé les vidéos, ça a boosté énormément tout le monde, que ce soit en termes de qualité, en termes de contenu. Et c'est vrai que finalement, c'est pas pour déplaire, je pense, aux joueurs et aux peintres parce qu'au final, ça nous fait quasiment un live par semaine à voir, quoi. Et je crois que franchement, on n'a jamais été aussi bien servi. Donc voilà, big up, gros respect pour ça, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte hors cam, mais moi je vois le temps de montage sur mes vidéos de peinture qui ne durent pas forcément très longtemps, alors je ne vous raconte pas le temps de montage sur une partie complète, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'avais même réussi à filmer une partie de Dracarys comme un gros gland, je jouais beaucoup plus de points que mes adversaires, donc je suis deck parce que du coup, c'est pas très rigolo. En plus, le pire, c'est que j'ai perdu, quoi. Donc, je suis vraiment une bille hein, en termes de jeu, parfois. Alors, donc, j'ai basé avec ça. Je vais tout simplement y ajouter un petit peu de jaune, maintenant. Juste un chouïa. Hop. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, peinture, je suis là pour y répondre. Ce sera avec un grand plaisir. Donc là, mon bronze. Après, bon, on peut imaginer tout type de bronze. Il y a plein de nuances. On peut avoir un bronze beaucoup plus sombre. Là, j'essaye d'aller entre guillemets sur quelque chose d'assez générique, de générique dans le sens classique du terme, parce que voilà, pour le bien de la vidéo, c'était vraiment manière de montrer les trois types de NMM, parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens-là, et à chaque fois, je me suis dit on a la chance d'avoir la Dacoma en preview en résine qui n'est pas peint en plus. Moi, comme vous le savez, je fais aussi office de peintre studio pour Eden, faut pas déconner, hein, ça reste quand même mon bébé aussi. Et donc voilà, il y a là, quoi. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Donc le Kickstarter est en cours, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Encore une fois, ça permet de soutenir Happy Games Factory.
Ah, ça avance tranquillement, ce petit bronze. Just Angelus, Mila la téméraire. Il y a Just Angelus, t'es un bon gros furieux de confrontation, toi, non? Parce que Mila, ça me rappelle de belles choses à conf aussi. Ben voilà, donc t'as gagné. Ce que je te propose, c'est de me contacter via mon Facebook Happy Games Factory. Enfin, pas Happy Games Factory, non. Le vieux lapsus. Non, même pas, parce que je peux pas recevoir de messages sur mon monde. Non, directement sur mon Facebook perso, avec mes 10 Mohamed, tu devrais pouvoir me retrouver assez facilement. Et du coup, c'est mon nom, mon prénom, hein, rien de compliqué. Et du coup, tu peux me contacter directement, me donner ton adresse et tout, et je te dénicherai ça. Parce que c'est une pièce qui est introuvable du coup, puisqu'elle faisait partie du Kickstarter, mais bon, je dois avoir mes exemplaires encore, je ferai une croix dessus, de toute façon, j'aurai jamais le temps de les peindre. Et comme je disais la dernière fois, je suis de toute façon le moins bien chaussé, niveau Eden et édition limitée, je dois avouer que... T'as rien. Ben, j'ai rien. Merci Julie. En tout cas, j'ai rien de peint, donc là, ce sera l'occasion. Hop là. Donc, je continue tranquillement à pousser... mes lumières, je pose quelques points aussi à droite, à gauche. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil du côté de Hobby Shop. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ils montrent tout le temps des tutos, peintures, ils font grave vivre aussi la communauté. Et je trouve que pour une boutique, c'est assez ouf ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Je trouve ça assez agréable. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'y ai pensé il y a peu, parce que c'est Yo qui me montrait une de leurs newsletters qui est juste géniale, sur lesquelles en fait ils donnent des petits tips et tout. C'est cool, je trouve ça vraiment très cool. Ils donnent même leur avis un peu sur l'actualité, l'actualité figurinistique, hein, ils font pas dans la politique, mais vous m'avez compris, quoi. Donc là je rehausse un petit peu de blanc et je vais tranquillement arriver au bout de mon bronze. Voilà, pas de blague de merde vis-à-vis du bronze, s'il vous plaît. Vous avez compris la... Bon, bref. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu peins, du coup? Ben, moi, je peins rouge. Tu viens montrer un petit peu la cam? Oui, je sais, mais je suis en fleur. Ah, tu viens juste de commencer? Non, c'est que j'ai cherché du gris clair. Ah ben, tu sais, je pense que je l'ai pris, en fait. Non, mais je pense que je l'ai pris, prends-le, il est là. Moi, je m'en suis mis une boulette. C'est ce que je me suis dit. Je m'en suis mis une boulette. Donc voilà, ça c'est rouge en fait, ça c'est une des pilotes justement qui vient contrôler. Ouais, la caméra elle claque. Oh, putain, elle claque carrément, quoi. Voilà, Julie est meilleure que moi. Bah merci Julie, hein. Tu me mets à l'amende. Ouais. T'as vu? Ouais, non, t'as bien géré, c'est vraiment très beau ce que tu fais. Félicitations. Non, mais en plus, on a fait le cours ensemble et c'est tout filmé. Oui, c'est vrai. C'est tout filmé, sauf quelques moments, parce qu'en fait, je voulais filmer Julie, en fait, tout simplement pour montrer un peu. Et du coup, malheureusement, sur la fin, on n'a pas réussi. C'est pas que t'as trop de cheveux, c'est que j'ai mal cadré et du coup, on voit beaucoup ses cheveux. Mais je pense qu'on réussira peut-être à vous faire une petite vidéo. On attend que Julie fasse un petit logo et on upload là ça sur la chaîne. Hein, Julie? Allez. Non, je dis ça. Moi, je suis pas très bavarde devant la caméra, alors les gens, ils vont s'embêter, tu sais. Bon, je pense que tu vas réussir à être un peu bavarde, t'en fais pas, ça viendra. Donc là, je continue. Hop. Hop. Tranquillement. Et voilà, tiens, je veux bien que tu me donnes ton avis d'ailleurs sur le bronze. Donc voilà pour le bronze. Bon, c'est simple, c'est efficace. Le but, il est là, hein, de toute façon. Après, on peut toujours booster aussi les contrastes au noir. Hein. On peut toujours aller jusqu'au noir. C'est sur un non métallique, il n'y a rien d'interdit en termes de contraste. On peut aller très loin. Cette pièce est quand même super pratique à peindre. Je trouve du coup, et en particulier en vidéo, parce que je me rends compte qu'il y a de telles surfaces que, bah, en fait, c'est pas compliqué, quoi. Il suffit vraiment de... En plus, à la cam, ça passe assez bien, je trouve. Parce que c'est vrai que des fois, quand les pièces sont petites, comme il est difficile quand même de se rapprocher. Après, c'est vrai que quand on voit rouge et la Dacoma, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, quoi. Parce que si elle se fait charger la Pichoun, heureusement que... Elle a tous ses petits robots autour, quoi. Et puis
toute façon, là, ça devient plus que du coopératif, ça devient de la survie. Hein. Parce que voilà le robot, quoi. Voilà, donc on a fait une partie en gris métal, une partie en doré et une partie en bronze ici. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire... Il y a Eidolon qui dit « Eh, claque, la figurine de madame. Sérieux, la douche. » Merci. Alors, Alain Dill. Arnaud Mohand peint beaucoup avec des Valero, quelques Games Workshop, la vie Army Painter. Oui, c'est ça. Mais je peins avec vraiment, vraiment de tout. Il y a Serge qui dit au Bishop très réactif. Son patron est très sympa et un vrai passionné. Bah, tu vois comme quoi. Est-ce que j'ai une... Ah oui, Arnaud qui demande si j'ai une marque de peinture préférée. Alors, oui, bien sûr qu'on pourra voir Julie peindre. C'est ce que j'expliquais. Du coup, on essaye petit à petit de la faire peindre de plus en plus. Et puis, je pense que la caméra viendra ensuite tranquillement. Et en fait, en termes de peinture, ouais, j'utilise de tout, en fait. Hein. J'utilise de la... En fait, après, par défaut, j'utilise quand même de moins en moins de la Games. C'est pas que j'aime pas la peinture. C'est juste qu'en fait, elle se conserve moins bien. Et que bah, là-dessus, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que quand j'ai une peinture que j'utilise, ça fait je ne sais pas combien de temps, d'un côté qui est sèche et de l'autre qui est presque neuve, bah, du coup, je vais utiliser la presque neuve. Et les games, encore aujourd'hui, vieillissent assez mal. Les pots à pipette, je trouve ça pratique. Bon, ça a des avantages et des inconvénients, mais un des avantages, ça reste quand même que bah, j'ai l'impression que ça conserve quand même foutrement mieux la peinture. Donc, moi, j'avoue que là-dessus, je me prends pas trop la tête, en fait. Hein. Du coup, c'est vrai que j'ai techniquement, j'ai quand même de moins en moins de games, même si j'aime toutes les peintures, parce qu'elles ont toutes vraiment un intérêt qui leur est propre, et pour ça, c'est cool. Alors, pour ceux qui veulent, ce que je vais faire, c'est que je vais embrayer un petit peu. Je vais faire d'autres parties de la pièce, tout simplement. Par exemple, je vais continuer... qu'est-ce que je pourrais continuer ? Je vais me faire cette zone-là, par exemple. La deuxième genouillère, ici, en bronze. Donc après, on peut vraiment partir de teintes plus ou moins sombres à la base, qu'on va plus assombrir. Moi, j'aime bien partir de teintes assez neutres, que je vais préserver, assombrir, puis éclaircir. C'est un peu ma marque de fabrique, mais je pense que bon, beaucoup de peintes sont pareilles. Après, il n'y a aucune façon de peindre parfaite. Par contre, ce qui est le mieux, je pense, et c'est une chance qu'on a de pouvoir voir plein de peintres différents peindre, c'est de prendre un peu les techniques qui nous plaisent le plus, qui nous paraissent le plus, peut-être au début, facile d'accès, ou le plus waouh, ou ce que vous voulez, et petit à petit, faire évoluer son niveau de peinture. Et je trouve que ça, c'est une des façons les plus saines, je trouve, qu'il existe en termes d'évolution. Qu'est-ce que je peux faire ? Au final, ça avance plus vite que ce que je pensais. Même si pour certains d'entre vous, ça peut paraître super long, parce que vous n'êtes pas forcément des peintres, vous pouvez être des peintres, par exemple, de jeux ou comme ça. Mais au final, pour moi, là, c'est pas si long que ça. Ça va. Comme je disais, c'est pas un gobelin que je vais peindre en une heure, mais voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence à faire un nom métallique, donc de métal gris, mais sur ces cylindres-là. Ces zones-là, j'y vais direct, j'attaque au blanc parce que j'avais fait un jus un peu dégueu de noir, et en fait ça me permet quand même d'avoir des ombres marquées, donc j'en profite. J'en profite pour rehausser à droite à gauche. Alors, Dust Angelus, y aura-t-il une carte pour le jouer dans Eden, ce centaure samouraï de l'Apocalypse? Ah ben évidemment, puisqu'il existe en plus déjà. Puisque c'est l'Adakoma, tu peux le voir sur le site Eden, la figurine donc ça c'est la nouvelle sculpture. Et ouais, la carte existera. Il y a un concours de partage aussi sur le Facebook Happy Games Factory. Il y a un concours de partage pour avoir en fait les déclinaisons de toutes les figurines qu'il y a dans la boîte dans Eden. Ça nous permet encore une fois de continuer à avoir des news Eden. Qui sortent avec un petit peu de plastique. Celui-là, ce sera le plastique de la même qualité que Escape. Escape qui, pour beaucoup, du coup, est en cours de livraison.
Donc voilà, on a 200 colis à livrer, ça devrait aller assez vite. Donc je continue tranquillement ma pentouille. Donc là, je reviens un peu dans les creux au noir. C'est des étapes qui sont toujours assez importantes pour bien démarquer les zones les unes des autres. Je peux même, je sais pas si je vais, je sais pas si je fais toute cette zone de plastron en doré. Ça pourrait être sympa aussi. Et ces petits rivets là sur le côté au noir, ça peut être cool. Au noir, donc au, ensuite au, au gris, quoi. Vous m'avez compris. J'y pense. Non. Oui, Julie. Je voudrais mettre une sorte de, d'encre foncée dans le métal. Ça, ça s'en est ou pas? Non, ça c'est du matte black. L'encre foncée, il faut que tu regardes sur le pot, il y a écrit Strong Tone ou alors Dark Tone. Fais gaffe à cette encre parce qu'elle a tendance quand même à se barrer partout. Localise-la bien, bien, bien dans les zones de métal. D'accord? Okay. Ne touche surtout pas à ton, à ton, à ton orange qui est déjà mortel. C'est bouchon noir, hein, on est d'accord? C'est bouchon rouge. Là, là, le bouchon noir, c'est lié au fait qu'en fait, j'ai pas mis le bon bouchon sur le pot. Tu verras, c'est assez souvent le cas. Merci, je vais essayer. De rien, fonce. Donc, c'est ce qui est cool. Bah, c'est vrai qu'avec Julie, on bosse ensemble à Happy Games. Et en plus, on peint ensemble le soir. Et pour Mohandart aussi, elle a fait, du coup, pour le livre, elle s'est appliquée aussi à faire une galerie. Une galerie très chouette, d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je viens hop, dans les creux aussi. Toute la zone là, je ne vais pas hésiter à, la, à l'ombrer un maximum. Simplement parce que c'est suffisamment creux pour vraiment faire ressortir le reste. Donc voilà, donc ArenaBots, quoi d'autre? Non, ben, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein, de toute façon. Donc c'est sur Kickstarter, on a 30 jours. Donc c'est vrai qu'après... Kickstarter, ça devient une grosse machine. Maintenant, il n'y a plus que les grosses boîtes. Donc, on espère qu'on va pouvoir continuer à réussir aussi à sortir de nouveaux jeux en, en s'y prenant comme cela. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est pour une vraie petite boîte, en gros, financer tout ce qui est moule et tout ça, c'est très complexe. On n'a toujours pas passé le cap où, où la banque nous dit amen. Donc, bon, on verra plus tard, hein, petit à petit. De toute façon, après... c'est une aventure. Hein. Hop. Donc là, j'hésite pas à marquer les creux à ce niveau-là. Ici aussi, ça peut me permettre de bien démarquer la zone. Ensuite. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous êtes en ce moment. Qu'est-ce que vous peignez? Ça fait toujours plaisir un petit peu de voir... ce que vous faites de beau. Ah, on s'avance tranquillement. Donc, Anabolic is glazing a protant when doing NMM. Yes, I work a lot with some glazing effect. I like to talk about it's comment on dit des filtres. Layer. Well, yes, it's more about layer you are going to put and step by step push more contrast on your paint. C'est vrai que l'anglais c'est pas forcément mon fort, mais j'essaie de, me, de m'y adonner parce que c'est vrai que tous les ans on essaye quand même de développer Eden. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? C'est arrivé, mais pour que Julie parle plus, fais-la boire un peu. Après, c'est une machine. Ouais, vous comprenez pourquoi je la, j'évite de la faire trop boire. Alors. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'exporter aussi Eden aux, aux US parce que bah, tout simplement, c'est un besoin. Hein. Donc, j'essaye de faire aussi mes vidéos en anglais. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, même en anglais si vous en avez. Don't hesitate to ask in English. If you have any question, I will ask, try to... To explain with my level in English, but I can try.
can try. Which? So first, I push my shadow. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les étapes d'avant, hein, je pousse mon ombre. On peut le faire dans un sens ou dans l'autre, évidemment. On peut très bien pousser sa lumière, ses ombres, enfin, dans l'ordre qu'on veut. Ça n'a pas vraiment d'énorme impact. Par contre, là, je me suis trompé. J'ai pas pris mon marron rouge. Hop, avec un peu de noir. Donc là, j'écrase quand même peut-être un peu plus que l'autre. Sur l'autre genouillère, faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que veut dire involvement? Toi, Pierre, qui est très bon en anglais. So anabolic. Sorry about, but I don't understand involvement. Involvement. Sorry, I don't know what is what it mean. So. Oh, for Arenabots. How I can explain? I start at the beginning. I create Happy Games Factory, and after that, and step by step, I have more and more people who work with me. And now I am just in charge of development of artistic and creation. So I keep, for example, Aula, the designer. I push into my team just for the project. It's a Belgium guy, so he live in Belgium. I find Victor Aguila, who work with us too in sculpture. So I take care about all these guys to make sure that the mini and the design match motivation with our what we want at the end. After that, I have a lot of people who work with me. For example, we find Frédéric Morard who develops the game design, Christophe Catoire. So in fact, I'm some people who make meet people each other to create a good campaign, a good game. And donc là, je reviens encore avec une petite pointe de blanc pour éclaircir. So I come back with one more time with some highlights. Just to push more and more highlight. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, petite question, tu as sous-couché en gris ou tu as attaqué direct? J'ai sous-couché en gris. So I push a primer of gray color. J'ai sous-couché en gris simplement parce que le gris c'est neutre et que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique en fait pour attaquer. Comme je le disais au début, j'ai même eu un peu la main lourde sur la sous-couche malheureusement parce que c'est un peu piqué. Par contre, du coup maintenant j'utilise beaucoup la sous-couche Valero. Je la trouve vraiment géniale pour tout ce qui est gris et noir. Simplement parce que la dernière fois que j'ai voulu en commander à mon fournisseur, il avait plus d'Army Painter, donc j'ai testé la Valero et elle est vraiment top. Elle est vraiment tip top. Donc c'est vrai que voilà. D'ailleurs, Pierre aussi, je crois que Pierre l'a testé. Il pourra vous dire aussi ce qu'il en pense parce que je crois qu'il a commencé à peindre son Escape. Tout à l'heure. Ah, cool. Il est dessus là en ce moment. Ah, cool. Ah, ben ça fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est super. Elle est vraiment super cette. Mais il disait quoi? Il disait du coup que la sous-couche était bien? Non, il dit, tu as demandé ce qu'il faisait et lui il a dit qu'il faisait son escape. Ah cool.
Donc là, je vais reprendre sur, je vais revenir sur du non métallique un peu classique. Donc si je pousse avec du noir ici, comme je l'ai expliqué précédemment, mon autre surface, donc après je crée, hop, mon dégradé, et mon autre surface à l'opposé va être aussi assez sombre. Il y a Cyril Brosseau qui me demande du coup si le blanc en Valero est bien. Moi je le trouve très bien. Mais c'est vrai que, en fait, plus j'utilise l'ivoire et c'est vrai que moi j'utilise le blanc. Ceci étant, le blanc en Valero, ouais, il est cool, il est bien. Je l'utilise, j'utilise aussi le blanc là en Army Painter. Il est un peu moins couvrant, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même pour éviter de se louper comme un gros cochon. Donc là, je reviens au gris, donc je refais un peu la même étape que de l'autre côté. Ça fait un peu redite, mais ça vous permet, mine de rien, de voir les choses faites deux fois. C'est toujours mieux qu'une seule fois. Et puis, ça fait la révision, on va dire. Donc là, je vais revenir au blanc aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Maed qui dit « Qu'est-ce que tu manges comme peinture ?» Alors, c'est vrai, et c'est vraiment qu'il faut que j'arrête, quoi, parce que ça, c'est un coup à finir avec un vieux cancer du côlon à 20 à 40 ans quoi, mais voilà, j'essaye de me soigner, promis demain j'arrête. T'as dit quoi? Pas comme lui. J'ai pas compris. Mais faut pas qu'il fasse comme toi. Ah ouais, humectez pas. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit pot de salive, hein, puis voilà, parce que franchement, c'est pas une bonne chose que d'humecter. Après, c'est vrai que bon, il y a très peu de peinture, mais ça n'empêche que non, c'est pas une bonne chose. Donc non, de ce point de vue-là, faites pas comme moi. J'ai lu l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait que le rouge, c'était le pire. Ah ben voilà, c'est heureusement que je peins pas beaucoup de rouge, ces temps-ci. Alors, il faut savoir qu'il y a des studios d'enregistrement, en fait, à côté. On est gâtés. Et ce soir, il y a un mec qui chante. Pas de ouf, quand même. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait la blague. Et bah, ils sont adorables, hein. Par contre, c'est vrai que hein, les gens qui bossent à côté... Ils chantent mal, mais... Non, dis pas ça. En plus, on n'entend pas vraiment bien. Mais non, ils sont adorables. Donc voilà. Hop. Donc le prochain concours de peinture, je crois que ça va être au Happy Factory Day. Donc normalement, le Happy Factory Day, on va commencer à communiquer dessus. Ce sera un concours de peinture exclusivement Eden, hein. mais voilà, et ce sera normalement au premier week-end de février, si tout se passe bien. Donc il ne faudra pas hésiter à venir nombreux. Arnaud, pour moi la meilleure sous-couche est Tamiya peinture maquette. Ouais, c'est vrai, j'en ai aussi et elle est géniale. Mais des fois quand tu bosses à l'aéro, elle est presque un peu trop lisse, à vrai dire. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit bémol là, quoi. Je pense qu'à côté, ils n'ont pas dû fermer leur porte, hein. Je sais pas si Julie, tu y es déjà allée, tu peux leur faire un petit... Tu veux que j'aille les engueuler? Non, pas les engueuler, juste leur demander s'ils peuvent fermer correctement leur porte. Je vais aller. Ou j'y vais, hein, si tu veux, Julie. Non, j'y vais. Non, mais je vais y aller, t'embête pas. Et je les connais, Julie, t'embête pas. Je vais y aller. Ah ben voilà, comme ça, vas-y, peins devant la caméra. Non. Donc elle m'a déposé. Ah ben elle est, c'est bien parti ton nom métallique là, Julie. Claque, hein. Regardez ce qu'elle a fait en 2-2, quoi. Quel conseil pourrais-tu donner pour ne pas mettre de peinture jusqu'à la virole? Car je suis à une tonne de pinceaux morts à cause de ça. En fait, en gros, ce que tu demandes, Jacques, c'est quoi faire pour que la peinture ne vienne pas jusque-là. Mais en fait, il ne faut pas tremper son pinceau comme un goré, quoi. Il faut vraiment mettre que jusque-là pour que ça fonctionne. Ça va? Bah, ça va, la porte était fermée, la nôtre, non, donc on va voir comme ça. Mais c'était où, en fait? C'était là. Hein? C'était juste là.
Mais la porte était fermée. Tu leur as dit, on vous entend, on est en plein live. Je leur ai dit, mais après, la porte est fermée. Donc, ils peuvent pas faire grand-chose. Ben ouais, mais ça fait vachement de bruit, c'est bizarre. D'habitude, ça fait pas autant de bruit. Qu'est-ce que je fais ? Ah ben, elle est superbe, là. Il faut que tu boostes peut-être un peu les noirs encore et les blancs. En fait, c'est toujours pareil. C'est plus contrasté encore. Ouais, c'est ça. En fait, c'est regarde, ces fins traits de blanc, là, tu vois. Mais sur une lame, je connais un peu le principe, mais là, il y a plein de petits trucs métalliques, tu vois. Donc c'est ah ben, faut rehausser tous les petits trucs métalliques. Ben, donne, je vais te montrer. Du coup, tu viens. Et en fait, l'idée, c'est que sur les petits éléments... En fait, là, par exemple, toi, tu vas être obligé de venir et vraiment poser genre un point de lumière là. De lumière là, un point de lumière là. Tu vois ce que je fais? Mm-hmm. Et en fait, là, tu as rehaussé toute la barre. Alors qu'en fait, il fallait rehausser juste un trait, tu vois. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Là, c'est pareil. Là, tu vois, en dessous, là, tu as des petits éléments. Tu es censé les rehausser aussi, tu vois. Okay. Et en fait, tu es censé faire ça partout. Alors, bon, là, malheureusement, tu vois, tu vas me dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais là, malheureusement, sur la pièce, tu as laissé une ligne de moule sur le visage de la vie. Ah, tu l'as vu, d'accord. Fais pas tout. Non, je veux pas faire tout, mais regarde, tu vois ça. Ça se rehausse. En fait, c'est ce qui va faire un nom métallique qui pète, c'est que toutes les arêtes soient rehaussées, pas uniquement, tu vois. Le problème, c'est que toi, tu te concentres à chaque fois que sur les arêtes qui sont à la lumière. Alors que non, c'est bien toutes les arêtes qu'il faut booster. Laisser continuer. Non, c'est nickel. Je pense que tu as moyen de tapoter encore un petit peu d'intensité dans la peau. Oui, sur la peau, je reviendrai. Sinon, après, la pièce, elle est superbe. Hein. Tu t'es déchiré, Julien. C'est magnifique. J'ai pas fait le visage encore. C'est magnifique. Bonsoir, Léa. Non, pas de livre sur ArenaBot. Non. Ah! Non, pas de live sur live de jeu, tu veux dire, Léa? Je pense qu'on en fera un la semaine prochaine, sur Happy Games, hein, pas sur Monde Art, évidemment. Mais je pense, ouais, bah, on verra, en fait, on se tâtait, justement. Julie avait envie de se faire un petit live peinture tous ensemble avec Happy Games. Et moi, j'étais plus peut-être pour une partie, donc voilà, on va y bosser. Guldur, Arnaud, souvenir d'un trophée de Chibi. Les drapés sont superbes. Il y a Olivier qui dit que tes drapés sont superbes. Ça, c'est gentil. Il y a Arnaud qui dit, très beau travail, elle a fait des concours. Ben oui, elle a fait des concours. Hein. Julie, elle a fait un petit concours pour le moment. C'était aux États-Unis qu'elle a remporté. Elle a fait un magnifique trophée de chibi grâce à une citrouille. Tu t'en rappelles, Julie? Oui, c'était pour le Crystal Brush. C'était pour le Crystal Brush et c'était vraiment mortel. C'était un cool moment, hein, franchement. Il y a aussi le petit concours là, à Indianapolis. Oui, à la Gen Con aussi, t'as gagné. Non, t'en gagnes des concours, dis donc. Mais j'ai toujours été chanceuse, hein, pour les concours. Non, c'est pas de la chance, chérie, c'était doué. Non, mais c'est vrai. Hein, non, je t'assure, t'es doué. Ouais. Ouais, c'est pas une question de chance, quand même. Donc là, on va se refaire une petite session encore tranquillement de doré. Puis, on va tranquillement s'arrêter là. Mine de rien, c'est pratique cette pièce parce qu'il y a vraiment de tout. On a du métallique, on a des surfaces assez larges. Donc, c'est vrai que pour le non-métallique, c'est... De toute façon, c'est vrai que tout ce qui est ISC dans Eden, hein, tous les gros robots, pour ça, c'est parfait, quoi. Parce que c'est des grosses surfaces de métallique, et c'est vrai que pour ça, c'est pas mal. Il n'y a pas mieux. Hop là. Tchouk. Et voilà pour la petite base de noir. Ensuite... Alors, Léa qui demande s'il y a un live sur le... Non. Non, mais de toute façon, je pense qu'on fera un live pour la fin,
Mais pas forcément pour le lancement. Je pense plutôt en faire pour la fin. Après, on n'est pas forcément sur Happy Games, on n'est pas super encore à l'aise sur les lives. Surtout que moi, je fais déjà ceux de Mondard, donc je me ménage un peu. Et Romain, petit à petit, commence à prendre le pli et tout, mais ça demande quand même du temps. Donc on y va tranquillement. Mais sûrement. Je continue tranquille. Alors, ça va The Farmer sinon? Toujours présent, ça fait plaisir. Hop. Je vais regarder un petit peu. Ouais, ça fait une petite heure en fait qu'on est tous ensemble. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait une petite heure et quart. Et en fait, ça avance plus vite que ce que je pensais. Je pensais pas réussir en une heure et quart à vous montrer. Du non métallique, donc je vous l'ai montré deux fois, bim, hop, hop, du cuivre, du doré. Donc là, on va se refaire une petite session de doré pour le kiff. Et puis ensuite, tranquillement, on va rentrer se reposer. Hop, un petit peu de jaune. Et le jaune, tout simplement, va nous servir à éclaircir les zones. J'ai du mal à faire le visage. Ouais, c'est normal, hein. C'est des gamins, donc niveau échelle, c'est trop, trop, très, 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 très petit. Bah, c'est vrai que quand tu vois la Dacoma, bon, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Tu me diras, plus c'est petit, plus c'est rapide à peindre aussi. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais toi, tu peins super vite. C'est vrai que j'ai tendance à peindre un peu vite. Mais au final, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé. Et j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir me refaire quelques concours et tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais... justement, là, avec le fait qu'Happy Games commence à s'équiper, qu'on commence à être un peu plus nombreux, j'aimerais réussir à retrouver le temps de faire des concours, kiffer, me balader en salon, en convention, sans pour autant être là pour Happy Games. Mais vraiment le faire en mode, petit concours, pépère. J'aimerais vraiment beaucoup. Donc ça va être un de mes objectifs pour l'année prochaine. Donc là, je continue avec mon doré. À rehausser un petit peu ces arêtes. On va dire c'est... ces zones planes. Hop là. Donc voilà. Et tranquillement mais sûrement. On commence à voir les choses un peu apparaître. Au début, c'est toujours, comme je disais, un peu brut, un peu sale. Et puis au fur et à mesure, on va un peu affiner le tir pour avoir quelque chose de plus en plus échu en termes de lumière. Tchouk tchouk. Donc ça, la vidéo sera de toute façon en rediff, hein, donc vous pourrez revoir un peu. Ce qui est pratique quand même, encore une fois, c'est qu'il y a pas mal de surfaces en fait qui sont différentes. Donc on a la lame. Mais on a aussi ce plastron. Il y a pas mal de petites surfaces sympas à traiter. C'est vraiment un régal. Et il y a Hugo. Hugo, coucou Hugo. Donc Hugo Nives, l'auteur de Burnout, qui est avec nous. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Hello Mo, hello Julie. Donc, qui te fait aussi un bisou. The Farmer, désolé, je ne sais pas si vous avez abordé le sujet, mais y a-t-il des news à propos du livre? Alors bien sûr, The Farmer, donc c'est un truc de la plupart du temps au début de chaque live. Je fais un petit récap. Alors, il y a une vidéo déjà qui circule, en fait, où j'explique où on en est. Et depuis, évidemment, le livre a bien avancé. J'ai fini l'édito et les remerciements la semaine dernière, avant d'aller aux Utopiales. Là, on est sur le... On peaufine, en fait, tout ce qui est numéro ISBN, enfin, tous les trucs chiants et pénibles. Et normalement, demain, j'ai Mathieu au téléphone. J'ai pas eu le temps de l'appeler aujourd'hui pour vraiment... pour finaliser et voir en fait ce qu'on fait comme news, ce qu'on précise comme news,
et tout le tout team. Normalement, vous aurez des nouvelles sous maximum 2 semaines pour précisément les derniers détails, les derniers délais. Et tout ça, de cette belle aventure, j'espère en tout cas que l'attente n'a pas été trop longue, mais ça arrive, on bosse dur pour ça. C'est vrai que ça a été une sacrée aventure, et quand je présente le livre, en tout cas, les retours sont très positifs. Je pense que l'objectif est atteint, faire découvrir aussi notre passion à travers finalement des étapes simples, que ce soit pour les débutants, pour ceux qui progressent et qui veulent s'améliorer, et encore pour les gens qui font quelques concours et qui veulent mettre en place des projets un peu plus conséquents. Donc je suis super content. On aura pris du retard, mais j'ai appris aussi que voilà, malheureusement, maintenant il faut que je tienne compte du fait que je suis beaucoup trop optimiste. D'ailleurs, il y a 250 pages au lieu de 90, c'est sûr, mais quoi qu'il en soit, je pense que il vaut mieux prendre plus de marge. Mais d'ailleurs, c'est pas compliqué, quand on a bossé sur ArenaBot avec la team, du coup, c'est pas moi qui me suis occupé des délais. Donc, c'est assez simple. C'est Romain, et au final, c'est clair que c'est bien plus que ce que moi j'aurais mis, et au final, c'est très bien comme ça, parce que c'est pas mon métier. Donc petit à petit, chacun trouve sa place, et ça, c'est chouette. Et pour le livre, en fait, voilà, faut savoir que moi, j'ai toujours eu plusieurs tafs, simplement parce que vivre de sa passion, c'est pas simple. Et du coup, c'est pareil pour le livre. C'est vrai que j'ai beaucoup de différents projets, mais je les mène à bien. Même si c'est plus long que prévu, au moins la qualité sera au rendez-vous. Et le but, c'est que vous soyez ravis de recevoir tout ça. C'est très important que le bouquin devienne une petite chouette référence, parce que c'est vrai qu'il y avait un gros manque depuis le grand livre. Et c'est vrai que pour moi, le grand livre se place justement après. Une fois qu'on a épluché l'art de la miniature, pour moi, on peut s'attaquer au grand livre. Parce que c'est vrai qu'en premier bouquin de peinture, moi, je l'ai bouffé assez tôt et il est assez costaud, en fait. C'est beaucoup de théorie, et d'ailleurs, c'est de l'excellente théorie. J'ai revu d'ailleurs Thomas David et Jacques qui ont participé à l'ouvrage à l'époque. Je les ai vus en salon ce week-end, et voilà, c'est des créateurs de génie, quoi. Ils sont trop bons. C'était aux Utopiales, donc il y avait une petite conférence. Et j'étais trop honoré d'être invité à côté d'eux, quoi. C'était rigolo parce qu'il y a fait Félix, un jeune sculpteur qui se lance et qui est extrêmement talentueux, autour de la table. Il y avait moi, et après, il y avait Thomas David des Jagues. Et je trouvais que c'était sympa, quoi, parce que du coup, on était installés en mode le débutant, puis la personne qui a évolué dans le milieu, et à côté, les deux référents, en fait. Thomas David et Jacques, les deux grosses brutes de la sculpture, quoi. Voilà, c'était trop cool. Et j'étais plus qu'honoré d'être à leur côté ce week-end. Ça m'a donné plein d'idées en plus. Enfin, bref, je vous épargne les détails. Chaque chose viendra en son temps. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un honneur de les retrouver. Hein, parce qu'on on se croisait pas mal à la Gen Con, parce qu'eux, ils étaient sur le stand de Kingdom Death. Et là, j'ai pu voir certaines de leurs pièces en vrai qui sont juste... Il y a des sculptures sur lesquelles... Jacques, je l'ai vu là, sur lesquelles il a passé 6 mois, quoi. 6 mois, j'en rêverais. Mais, et puis quand je vois son taf... T'as dit quoi, Julie ? Tout de suite. Bah, je sais pas, l'année prochaine, si on arrive à bien s'organiser, moi, je vais peut-être pouvoir me remettre à faire des pièces de ouf. Après, je peux passer 6 mois en parallèle de... De toute façon, tout ce que j'ai développé sur mon Handart, je l'ai développé en parallèle de ce que je faisais. Donc, c'est tant mieux comme ça. De toute façon, je suis pas capable de faire qu'une seule chose. Je pense pas que l'être humain soit fait, en plus, pour faire qu'une seule chose. Alors, Julien Kemener, salut Minus, j'adore ta technique d'or jaune, wow, merci, merci beaucoup. Après, c'est du classique, hein, j'ai envie de dire, il n'y a rien de, y a, entre guillemets, il n'y a rien d'exceptionnel, faut juste prendre le coup petit à petit, quoi. Mais c'est vraiment rien de dingue. De toute façon, Julien, d'ailleurs, Julien, encore merci pour tes peintures studio. Parce que moi je manquais cruellement de temps avec le fait de finir le bouquin et tout, et franchement, mais juste une tuerie, quoi. C'est ce que tu nous as fait, c'est juste sublime, et
J'en dis pas plus, mais ce que tu nous prépares aussi, j'ai trop hâte de recevoir. Et merci encore pour ton professionnalisme, parce que tu nous tiens au courant de tes avancées. Moi, c'est une réelle motivation et c'est une chance que j'ai de pouvoir aussi lancer des gens dans le milieu. Et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça avec Happy Games. Et franchement, mais ouais, tu m'as mis une belle claque là sur les dernières peintures que tu m'as fait. On était comme tes gamins en les recevant. Hein, Julie ? Oui, c'est sûr. Toi, Julie, par contre, attention, hein, parce que Julie, elle t'en veut. Hein. Dès qu'elle voit une figurine trop bien peinte, elle est vénère. Elle se dit, non, mais pourquoi c'est pas moi qui ai fait ça ? C'est vrai ou pas, Julie, quand même ? Non, c'est pas vrai. À vous. Non, mais il y en a, ils sont tellement doués. C'est... Je vais me faire engueuler, moi, ce soir. Mais c'est vrai que Julien... Non, ben... Julien, t'étais venu aussi ici et tout ça, te faire former un petit peu à l'ancienne, tu vois. Et franchement, Julien, t'es doué et en plus, t'es bosseur. Et franchement, mais j'ai un respect de ouf pour toi. Respect. Parce que c'est vraiment cool. Il y avait des questions. Maed, j'ai mis 3 ans à finir un Wolfen. Putain, ben, j'aimerais bien voir le Wolfen. Ouais, moi, je suis aussi un gros enfant de Rackham. Hein. J'en ai bouffé et des tétrachiers et c'est vrai que les Wolfen, c'est beau. The Farmer, et ben voilà une réponse des plus complètes. Merci, Mo. Ben de rien, avec grand plaisir. Yaguldur, moi je peux passer 6 mois à peindre une figue. Alors, Jonathan, comment trouver un concours de peinture ? Alors, comme je disais, pour les Happy Factory Day, donc on va avoir un concours, mais spécifique Eden. Donc si tu as envie, ben, il suffit que tu te procures des figurines Eden. Eden et Drakeris et Gnome, mais c'est vrai qu'en fait, toutes les gammes qu'on touche avec Happy Games, c'est un concours de peinture Happy Games, il faut que j'arrête de dire Eden. Mes excuses, moi je suis encore dans le passé, alors que Julie prépare toujours le futur, c'est beau. Et donc, comme disait Julie, voilà. Et ensuite, du coup, ça aura lieu premier week-end de février. Donc voilà, ça nous fera plaisir si les gens viennent partager, montrer un peu ce qu'ils font de beau. Et franchement, moi j'ai été sur le cul l'année dernière parce que c'était vraiment magnifique. Alors pour le moment, j'ai pas du tout, on ne sait pas encore précisément les aimants qui vont être présents et tout ça. Mais pour sûr, je ferai de la démo. Enfin bref, en tout cas, il y aura plein de trucs. Ça va être chouette. Ça va être encore un bête de week-end de guriniste. Ce sera sur Paris encore cette année. Et puis voilà. Donc là, je rehausse toujours. Oula, je suis allé comme un goré au blanc. Ça vous permet quand même de voir. Parce que cette étape-là, elle est cruciale. Mais là, vous voyez mon pinceau, je ne l'ai pas du tout. Ça manque de finesse au niveau des points de lumière. Mais c'est pas grave. Ah, c'est dur, hein, quand c'est les derniers détails, là, et que tu débordes. Hein, Julie ? Exactement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce petit live. On va pas tarder à vous laisser, parce que mine de rien, ça fait une petite heure déjà que je peins. Comme vous le savez, mes live peintures sont jamais très longs. L'idée, c'est vraiment de vous montrer. Donc je vous ai montré en 2 étapes du doré, du cuivre et du métallique, un peu plus classique. Oh, la figurine, elle tourne sur elle-même. Il est possédé. Donc voilà, cette figurine. Alors je ne sais pas si je compte faire une armure à la samouraï, je vais voir. Quand ? Salut Julien. Alors Hugo, a priori ce sera premier week-end de février. Et là on est en train de finaliser un peu le lieu, tout ça. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire comme finition un petit peu sur la pièce, mais bon, de toute façon il n'y a que ces zones-là qui sont un peu avancées. Mais armure de samouraï en rouge, ça pourrait être cool, mais j'ai peur qu'en fait on commence à avoir trop de couleurs sur la pièce. Après, peut-être que les genouillards vont finir en métallique classique. Je vais voir un peu. Ça va dépendre un peu de comment ça va évoluer. Quand c'est les derniers détails et que tu débordes, bah, tu jettes la figue, tu en rachètes une et tu recommences. Ah non, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Quoi d'autre ? Non, mais c'était tout. Alors, cette figurine, hein, comme on le disait, bah, elle est dispo sur le Kickstarter actuel d'ArenaBots. Petit jeu, mais assez costaud quand même. C'est clair. Alors, plutôt noir, ce serait sympa avec ce que tu viens de faire. Ah, bien vu pour les plaques d'armure. Hey, Death Jungle, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Un gros big up à toi, vraiment.
magnifique tes vidéos, David. T'es vraiment un cador. C'était vraiment un régal de bosser avec toi. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de nouveau de faire quelques vidéos ensemble. Donc voilà, cette figurine, elle est dispo actuellement sur Kickstarter. Dans les add-ons du projet ArenaBots. Donc c'est pas une petite figurine. Tiens, Julie, je veux bien que tu me ramènes ton pilote aussi. Pour qu'on voit la comparaison. J'ai essayé de faire un peu le visage, mais les yeux, tu sais, c'est toujours compliqué. Guljo a une super idée aussi avec un vert émeraude sombre. Ça pourrait être très sympa. Donc vous voyez, donc ça c'est les pilotes dans ArenaBots. Et ça, c'est donc un robot Overlord. Donc un robot un peu plus costaud, on va dire. Voilà. Alors qu'est-ce que tu préfères, toi, le bronze, le doré ou le métallique classique gris? J'aime bien le bronze, je t'avoue. J'avais jamais vu comme ça. Mais par contre, j'aurais mis une pointe de blanc quand même. Dans le bronze? Ouais. J'ai mis du blanc en fait, mais j'essayais de pas aller trop loin. Mais peut-être que je vais reprendre un peu. Vous voyez, ma chérie, elle est toujours de bons conseils. Je vais peut-être aussi revenir avec du vert de gris. Tu me parles de contraste souvent. C'est vert vrai. De gris pour la rouille. Ben, pour la rouille du bronze, oui, et là, et pas touché. Là. Donc, ce qui est pas mal aussi quand on est à l'atelier, mine de rien, et ça c'est cool, c'est qu'en fait, on a finalement la motivation que nous apportent les autres, n'est-ce pas? Évidemment. C'est vrai que c'est pas facile parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon. Mais la dernière fois, je me suis fait avoir quand on a lancé le Kickstarter, justement. On s'est dit, allez, mine de rien, on va jouer en même temps et ça nous a fait du bien. Et c'est vrai que peindre aussi, ça fait énormément de bien. Donc rappelez-vous toujours une chose, quand vous êtes stressé, que vous pensez que vous n'avez pas le temps, arrêtez-vous, prenez le temps de peindre un peu et vous allez voir, tout va aller mieux. Merci Arnaud, Jonathan, bisous Arnaud, ça fait plaisir. Merci Guljur pour les petits conseils sur le vert, c'est une très bonne idée. Je sais pas où je vais en mettre, mais je vais en mettre. Voilà, merci Julie d'être venue te joindre à moi pour pas que je m'endorme devant la caméra. Tu as raison. Voilà, donc gros bisous à tous. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines, si c'est pas plus tôt, pour le live. Courant de la semaine prochaine, normalement, on vous fait un petit récap rapide au moins sur Ulule avec les news et tout ça. Donc voilà pour la bête. Bisous à tous. Bisous.